On ne peut pas vivre sans musique, à mon sens. Une vie sans musique, il manque quelque chose. Il manque une âme. Comme si un violon lui enlève l'âme, cette petite baguette qui est à l'intérieur. Et on veut jouer avec. Mais ça ne donne absolument rien. On a l'impression qu'on est en train de jouer avec un bidon de plastique, en plastique. Donc non, cette âme, c'est la musique. Qui dit tradition, qui dit les coutumes, la vie de tous les jours, et la musique, elle fait partie de la vie de tous les jours. Ça, c'est important. On tient le violon sur le genou, tout simplement, quand l'artiste ou le musicien doit chanter. C'est pour chanter en même temps. Parce que quand on tient le violon de cette manière-là, on a beaucoup de mal à avoir le micro à côté et chanter. Son apparition au XVIe siècle, on l'a introduit au XVIIIe siècle dans la musique arabe andalouse. Le monde arabe a conquis l'Espagne, d'accord, ça on ne peut pas l'oublier. C'est un parcours très 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 riche et très très important, et surtout très symbolique par rapport à l'actualité. Pourquoi très symbolique? Parce que c'est une période extraordinaire où vivaient des chrétiens, des juifs et des musulmans en parfaite harmonie.